Réunie dans le comité pour la convocation du deuxième congrès extraordinaire, nous faisons cette déclaration et nous tirons l'attention de toute l'opinion de notre pays. Dès aujourd'hui, nous avons trois résolutions à vous présenter. Dans l'IDPS d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, de reste mémoire, nous plébiscitons Félix-Antoine Tshisekedi comme notre candidat aux prochaines élections de 2023. Oui. Ouais. Pour cela, nous demandons à toutes les combattantes et les combattants de notre pays de soutenir et de l'extérieur la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il soit encore réélu comme le président de la République démocratique du Congo avec la majorité écrasante. De maintenant, au sein de l'IDPS Tshisekedi, nous proclamons le monsieur Hubert Moukouna étant comme le président de l'IDPS Tshisekedi. Le président du parti. Le président du parti. Pour cela, c'est lui, nous investissons les listes de nos candidats députés nationaux et provinciaux et des conseillers communaux pour les prochaines élections que le président élu aujourd'hui, Hubert Moukouna, se prendra en charge pour déposer les listes à la CENI. De maintenant, l'IDPS a un président du parti. Nous allons maintenant tout à l'heure vous présenter notre président du parti élu, M. Hubert Moukouna. Merci beaucoup. Nous vous informons que de maintenant, le président du parti, M. Hubert Moukouna, s'en chargera des nominations du secrétaire général du parti. Un nouveau secrétaire général. À cela est fait, après avoir nommé le secrétaire général, le nouveau secrétaire général, puisque le parti n'avait pas un secrétaire général, c'était des usurpateurs. Ils faisaient leur cabale pour écouler, effacer l'IDPS Tshisekedi. Mais l'IDPS ne sera jamais maudit ou ne sera jamais vidé. L'IDPS est toujours vivant. L'IDPS est vivant. Vivant. L'IDPS est vivant. Vivant. Alors, nous vous disons que nous clôturons notre assise d'aujourd'hui, le congrès extraordinaire d'Union pour la démocratie et le progrès social. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah,
Voilà, Monsieur le Président, vous venez d'être aujourd'hui élu au Congrès. Alors, je m'adresse d'abord à la population. Attendez le micro. UDPS. Viva! Union pour nous. UDPS. Union. UDPS. Union. Démocratie. Progrès social. UDPS, le parti. Parti du peuple. Allez, on reprend. UDPS. Union. Démocratie. Progrès social. UDPS. Parti du peuple. Le parti du peuple. Celui d'UDPS. T'es nos bons. L'UDPS vainqueur. T'es nos bons, messieurs. L'UDPS vainqueur. Et gouverne déjà ce pays. Posez. Combattantes et combattantes. Nazali Penza, na Isengo Mingi, na Bizumo et Bobundaki. 4 ans et demi. J'ai beaucoup de chamin. Pour la partie Nabiso Azwa. Azwa, président. Parce que le président a eu de presse, ils allaient symbole. Il y a unité. Ils allaient symbole et représentation vis-à-vis des tiers. L'article 5 de nos statuts est clair, on ne peut engager l'UDPS qu'en vertu de ce statut. Amen. Alors, aujourd'hui, de manière tout à fait régulière, le tiers de fédération que vous êtes, vous avez convoqué le Ndenge grand maître à Yekola Kibiso, UDPS est parti socialiste. Amen. Ils allaient parti du peuple. UDPS est parti du peuple. Oui. Ils allaient parti à ba magnaté. Ils ont parti à Baclanté. Il y a un grand qui a été en architecture, la statue, Ndenge Sphinx, ça s'est en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. C'est un parti qui défend les démunis, qui défend les travailleurs. Donc, ils ont été parti à Mototé. Ils ont parti à Bino. Alors, et dans l'UDPS, ma fonction, ils ont coupé ça, privilège à mon côté. Parce que tous les membres sont égaux, en droit et en devoir. Voilà. Il n'y a pas de hiérarchie à l'UDPS. La hiérarchie, c'est quoi? Le mandant ou le mandataire? C'est le mandant. Or, tout pouvoir vient de la base. C'est la base qui est la hiérarchie à l'UDPS. Et non les cadres à qui vous confiez de fonctions pour un mandat bien précis. Oui. Alors, dès que vos yeux résolution, nous allons, à partir d'aujourd'hui, mobiliser toutes nos forces pour la réélection de notre président, qui fut notre candidat de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Vous savez que dans toute démocratie, un gouvernement de coalition est toujours un désastre. Vous voyez, Kingaï? Oui. Gouvernement et coalition est un désastre. Oui. Il faut un gouvernement de la majorité. Oui. Alors, il y a 4 ans où le président Nabiso a passé, n'a pas si mingi. Abundi, ma casse. À quoi qu'il faut la terre. Donc, nous avons le devoir pour le troisième mandat. Pour que ça y ait majorité, il y a une des pèses. Deuxième mandat. Président Félix Antoine Tshisekedi Azali, Mwana, il y a eu de presse. Azwaki, premier mandat, il y a eu de presse. Alors maintenant, pour notre deuxième mandat, il y
Bisonyon sur Tozalinde, Sibanaye. Moi, nous sommes en train de faire Azali derrière Félix Antoine, tu sais que c'est pour Azali, moi, na outina, libougonaye. Alors, si quoi, pour la majorité parlementaire, il y a une salle qui est une introduction pour dire que le gouvernement de coalition, ils ont la carte désastre. Ils ont eu de presse la troisième mandat, deuxième mandat, il y a 2023. Il faut que la majorité, il y a eu de presse. Il y a parti Moko. Il y a Sangisa, Sangisa, c'est. Boyoki. Merci beaucoup. Bonjour Président, comme on a un nouveau président, il dépèse Nîmes. Oh, merci beaucoup pour la parole. Donc tu vois ça, là, pour élire le nouveau président, il dépèse Tshisekedi à la personne de M. Hubert Mukuna. La joie est immense parce que tous les nouveaux présidents ont dirigé parti à Memango et Sika Oyo pour faire qu'on s'attende pour que Paramore soit dans les normales. C'est ça, on est dans la joie, ma grâce, pour le nouveau président, c'est Hubert Mukuna, comme le nouveau président de l'UDPS Tshisekedi. Merci beaucoup. Bonjour, président. Bonjour. Mon nom, c'est dans l'amour de Joseph Bungu. Moké, Kwilwa, un peuple congolais. Donc, dans le contenu de Yai, Bétoumé Kou, Moukissa Bétoumion, comment on a dit si, il y a un tiers des fédérations, ça n'a pas convoqué, deuxième congrès extraordinaire, il y a un peu de Bétoumé Nzila, il y a Bétoumé Pona, président, il y a parti. Parce que, président, il y a parti. Il y a Vanda qui est président à parti. Et puis, il y a président de la République démocratique du Congo. Mais si vous êtes ici, vous avez personne de droit fait, vous avez dirigé le parti. Et Vanda qui est le Mouina. Donc, parti n'a pas que Vanda président fait. Alors, Bouboyaï, un tiers des fédéraux, il n'a qu'un pouvoir à organiser comme organe de base. Vous me convoquez deuxième congrès extraordinaire sans me mettre au Pona, président y'a parti. Et vous n'avez même pas président y'a parti. Tu as dit si, il y a M. Hubert Mukuna. Alors, Bete Binga, na combattant, nous sommes combattants. Na peuple congolais, nous sommes. Bete Vanda Nanima, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sans me mettre au deuxième mandat. Et vous avez des bingas, vous avez des Congolais, vous avez des bingas, vous avez des unions sacrées, vous avez des unions ndikila, ndikila, ça nous a fait boire. Donc, ben nous avons un mandat, nous avons des députés nationaux. Provincial, il y a IDP sans mettre la majorité dans le Parlement. Merci. Mdouen Mbote na yo. Voilà. Mbote. Mdouen tout ce que mon nomination, il y a IDP Nini, IDP bar F, IDP Kaba, c'est ce qui est limité 10e. IDP, Tshisekedi. Ce n'est pas IDP, c'est Tshisekedi. Héros national. Mais tout le monde, secrétaire Kabou est en place, dès nous, comme nous sommes président de Nini, après le secrétaire général, c'est. Secrétaire Kabouya, mandat Nanié. Comment ça se mandat Nanié, c'est là depuis le 31. Mandat Nanié. Mandat secrétaire Kabouya, c'est là depuis le 31 mars 2023. Ah. Alors, il dépèse, il y a un peu de terre. Il y a un peu de bisous. Il dit. Il y a parti président pour nommer le nouveau secrétaire général. Merci beaucoup. Président, bonjour. Bonjour. Président, ce que mon nomination est-ce qu'à président Albert? Non, Hubert. Hubert Mukuna. Oui. Et secrétaire général Kabuya Zali. Absence n'a rien à Katia Congrès au Salioyo. Et Nicolas Bani, mon amboka. Vous nommez qu'un encore autre n'engénie. Papa, et Zali, les Kabuya en côté.
IDPS ezali parti oyo ezali na bwanya parti oyo e respectaka mibeko omoni ba père fondateur oyo batika biso hein ba yekusa biso ke yesengeli ko rezala na respect ya mibeko yango na ko landisa ba mibeko na biso to mona kike esengeli po batu oyo basengelaki bakamba biso bakokai kukamba biso ke po ebandaki nanu liboso tango président na biso Félix azwaki bokondi po na république hein lokola azwaki chance ya kosimba ngbende wana constitution ezalaki kopesa ndingisa te akipe bakambu ya parti na ye biso siko tozalaki tozangaki lokola président ya parti mais ba mibeko na biso eza kosenga biso na article 26 hein esengeli kotia directoire oyo esengeli kokamba parti pendant période moko ya mokuse pe bozwa bosala congrès boluka président mususu hein ya parti mais ba oyo basengelaki bakamba directoire wana kolandisa ndenge mibeko eza kosenga basalaki yango te na koloba ezala ndeko na biso oyo Mwankwenda, ezala ndeko na biso Justin Kabuya, ezala ndeko na biso Jacquemain. Bakokaki kosala mosala wana. Mais on a absence à 7A na kati ya congrès lelo. Bon. Lokunenga romona 7A ayete bango nyoso bazwaki invitation. Tozanga kita kopesa mutu moko invitation te bango nyoso bazwaki invitation. Bango moko bayebiti na bayete. Omuni bayebiti na bayete. Donc, on a un problème na biso te papa. Vous avez organisé le congrès en qualité de qui? Biso congrès oyo to sel yango na qualité ya ba tiers ya fédéraux oyo ba benga ki biso. Omoni, bon biso neti ngai stati eza ko senga ndenge wana. Omoni, donc yango moni biso to benga maki po ngai nazali national honoraire. Ozomono, mais sikoyo ba oyo ba benga ki lokola tozalaki invité na ba tiers ya fédéraux bango mtu baza ba permanent actuellement tokokaki koboya te na invitation wana yango toyaki merci beaucoup na mboka merci papa nga mais c'est que je mettais pour que ni mettez pas du coup pas ni mettez bon limité lim remettre que vous allez faire ça avec qui les limité toko ok chef merci remise reprise. Oui, oui, évidemment. Je crois que vous avez suivi tout ce qu'on a vécu ici. La menace de la police, tout ça manipulé justement par le nouveau secrétaire, l'ancien secrétaire général du parti qui n'est autre que Kabuya. Vous comprenez, mais on a arrêté les organisateurs, on les a amenés, on ne sait pas où ils sont partis avec eux. Néanmoins, un tiers de fédéraux qui étaient restés ont plébiscité M. Hubert Mukunakom, le nouveau président du parti UDPS. Voilà, donc nous attendons l'organisation pour procéder à la remise et reprise avec l'ancien secrétaire général qui n'est autre que Kabuya. Merci beaucoup.